Alors, on est Daf Tzadikré Tamoudbet, en bas à la Mishnah. Nathan Laouman Letaken. Donc, il a donné du bois au Ouman pour qu'il fasse des Kélim. Et il a fait les Kélim, Kilkelou, mais une fois qu'il a fait les Kélim, il a été mécalquel les Kélim. Ça veut dire qu'il les a. Abîmés. Voilà. Chayavim les Chalem. Il est Chayav de payer. Il est Chayav de payer, en fait, à celui qui lui a donné, au Valabaïd qui lui a donné le bois. Alors on va voir dans la Gemara qu'est-ce qu'il est chayav de payer. D'accord, chayavim eshalem. Nathan le harash, il a donné à un menuisier. Shida, donc ça c'est une agala, c'est un genre de poussette, mais la poussette pour les femmes. Les poussettes, les femmes à monter dedans, un chariot, voilà. Teva, une table. Migdal, c'est une armoire. Pourquoi on l'appelle migdal? Parce qu'à l'époque les armoires, comme au Maroc, vous savez, elles étaient pointues. Voilà, comme une genre de. Comme elles étaient pointues comme une tour, alors on appelait ça une tour, migdal, mais c'est une armoire. Donc il lui a donné ça, les taquens, là c'est pour réparer. Vekilken, donc lui, c'est pas Ikea, il a abîmé l'armoire, la table ou la poussette. Réhab les chalem, là il est réhab de payer aussi. Pareil, donc on va voir c'est quoi la différence entre la Recha et la Sefa. Veabanaï, pareil, le Kablan, celui qui est le constructeur, le maçon. Chez Kibel Alav, il a pris sur lui, l'histoire est à côté, de casser un mur. Veshiver et Avanim. Seulement, il a cassé les pierres du mur. Il lui a demandé juste de détruire, de faire tomber le mur. L'histoire est à quoi elle, mais pas de casser les pierres. Oh, chez Izikatan, ou alors qu'on a fait tomber le mur. Ça a été mazik. Réhab les chalem, il est réhab de payer les dommages ou réhab de payer les pierres. Aya Soter. Si maintenant, ce Kablan, ce constructeur, Soter Mitzadze, il voulait casser de ce côté. Et finalement, Nafal Mitzadacher. Donc ça, c'est pas de sa faute. Il a mal calculé son coup. Le mur, il est tombé de l'autre côté. Là, il est pas tour. Alors, on va voir est-ce qu'il est pas tour sur les pierres. Il n'a pas pris soin quand même de. Nahon, c'est pour ça que dans la Gemara, Chazak, c'est pour ça que la Gemara, elle va demander, Chidami, c'est quoi le cas. Veim, Mechamat, Amaka. Mais si par contre, il est tombé à cause des coups qu'il a mis, des coups de marteau qu'il a mis, des coups de massue, on va dire plutôt qu'il a mis, là, il est chayab de payer parce que c'est entièrement de sa faute. D'accord ? Ok. Donc, ça, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle n'est pas claire. Et c'est heureusement la Gemara qui va tout expliquer. Alors, ouais, elle n'est pas claire du tout. C'est vrai, quand tu la lis comme ça, elle n'est vraiment pas claire. Heureusement qu'il y a la Gemara pour expliquer tout. La Gemara, elle dit Amar Ravasi. Ravasi dit Lo Shanu. Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, qu'on avait dit que le Ouman, on lui a donné des Kélim à réparer et il est capable de payer s'il les a abîmés. Lo Shanu est là, chez Nathan, les Harash, il a donné, en fait, au menuisier Shida Teva Migdal. On lui a donné des Kélim. Kélim Hotz Baem Masmer pour mettre des clous à l'intérieur, ça pour réparer. Vous voyez, l'armoire, les casiers sont partis, elle est un peu bancale. Lui, il est là pour réparer. Et là, s'il a abîmé, il est chayav. D'accord ? Veshivra, mais il a cassé, il est chayav. Aval, Nathan, Harash. Mais s'il a donné, imaginez-vous, il a donné du bois au menuisier. Nathan, Harash, Aitzim. Il a donné au menuisier du bois. La Sot, Shida, Teva, Migdal. Pour faire une armoire. Donc, je te donne du bois, la matière première, et toi, tu vas faire une poussette, tu vas faire une table, tu vas faire une armoire. Et Bémet, il a fait Sheda Teva Migdal, il a fait ce qu'il lui a demandé. Seulement une fois qu'il a fait, Shivran, il a cassé. Ouais, c'est moi ça, je monte dans le Ikea, il marche et d'un coup, tu vois que là, t'en as marre, tu casses tout, tu. Voilà. Ikea, c'est bon. Tane. Azbekitsur, il a cassé, pas tour. Il est pas tour. Ça veut dire, bien sûr, il doit payer le bois, mais il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand il lui a donné un Kélim ou il lui a donné du bois là? Du bois. Donc quand il a fait une armoire, elle appartient à qui l'armoire à Botaï? Ben, logiquement au propriétaire. Hein? Au propriétaire. On te dit non, parce que Ouman connaît Bejvar Kelly. Ouais, c'est la marque loquette. Le Ouman, il connaît cette armoire. C'est-à-dire que tant que tu ne m'as pas payé, moi je te donnais du bois, tu as fait une armoire. Mm-hmm. Tant que tu ne m'as pas payé maintenant mon travail, l'armoire elle est à moi. D'accord? Toi tu as le bois, moi j'ai l'armoire. Le produit fini c'est à moi. C'est la propriété intellectuelle. Ouais, plus que ça, parce que là c'est physique aussi, ça veut dire c'est carrément. Tant qu'elle n'a pas payé, ça appartient encore. Exactement. Tu m'as donné du bois, je t'ai fait une armoire, tu ne m'as pas payé, l'armoire elle m'appartient. Et donc. Hein, moi j'ai la question de ses mères, il t'a vu hier. C'est que quand tu fais une chirurgie, quand tu enlèves une dent, tu es obligé de taper sur une dent d'à côté pour te faire pivoter. Et en faisant ça, il y avait une dent de côté qui était sur avec une céramique, j'ai cassé la céramique qui était devant. Je n'ai même pas dû passer parce que, mais après, en fait, je me suis dit, à un moment, j'aurais dû l'enlever, l'amener au laboratoire. Hein. Et après, en fait, c'était pas mon intention de faire ça. Et je suis rayable, je ne suis pas rayable. Ouais, tu es rayable.
Lequel? C'est Gramma. C'est Bidouk, ça? Oui, non. C'est Gramma. Non, là, il a tapé. Il a tapé. Non, c'est pas Gramma. Il a tapé pour un peu décaler la dent, pour que la faire pivoter. Voilà, voilà, pour faire l'autre. Mais ça, c'est. C'est pas Gramma, ça, Habibi. Pourquoi c'est. C'est Mazik. C'est du direct. C'est du direct, ça. Mais il a réparé une dent. Oui, par contre, c'est pas sa Kavana. Mais en attendant, il est Mazik. Adam ou Adam Olam, il est Mazik. Là, c'est pas Gramma. Ça, c'est pas Gramma. Il pensait pas que ça allait se. Oui, Lobit Kaven, ce que tu veux. Aval Adam ou Adam Olam, Ben Ones Beranson. Non, je suis. Et Rav, s'il avait refusé, il faut qu'il prévienne le patient. Il est dans du foin, il va se faire. Il n'a même pas vu, lui. Et moi, non, il n'a pas vu. Lui, la prochaine fois, il lui dit, regarde, je vais... Il va faire... Il non, peut j'ai pris l'improvisoire, je sais que je vais défaire moi, le jeu. Et puis non, et puis maximum, tu lui dis, bon, attends, là, j'ai vu, tu as dû la fumer, tu as dû manger, je ne sais pas ce que tu as mangé, là, mais bon, je vais te réparer ton truc. Ah, merci. Quand il est sorti, j'ai pris l'improvisoire, c'est pas encore définitif. Parce que si je vais c'est vraiment ce que j'ai mon bois. J'ai mon bois personnel. Je viens chez vous, hein. Je vous demande de me fabriquer. Excuse-moi, c'est normal. Toi, tu construis des palais, donc c'est normal. Il a joué. Vous fabriquez des armoires. Moi, j'ai mon bois. Je veux qu'on me fabrique une armoire. Ouais. Vous la fabriquez, elle se casse. Qu'est-ce que vous me donnez? Vous me remboursez l'argent du bois? Ouais. La valeur du bois. Vous êtes resté une semaine pour fabriquer ça. Je ne dois pas vous payer une semaine de travail? Alors. Si tu payes une semaine de travail, il n'y a pas de problème, je t'ai donné l'armoire, maintenant je rembourse l'armoire, mais toi tu ne m'as rien donné encore, toi tu m'as donné le bois. Moi j'ai fait une armoire, tu n'es pas venu payer, j'ai cassé l'armoire sans faire exprès, elle est cassée. D'accord. Maintenant toi tu viens, tu dis, ok, moi vous ne me payez rien, moi je vous rembourse le bois, c'est tout. Et le bois, moi je te rembourse le bois. Je rembourse, et le bois, je lui donne aussi. Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec le bois cassé? Il m'a donné. Je suis mis à la maison. Un bois original. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Le propriétaire barbecue. Le propriétaire. Oui. Moi, si. Moi, je te dis, voilà, tiens ton bois. Maintenant, si tu veux que je reconstruis, alors attends encore une semaine. Voilà, parce que de toute façon, moi, je dois te payer le bois. J'achète le bois, attends encore une semaine. Mais, normalement, on aurait pu croire que non. À partir du moment où moi, j'ai fait l'armoire. Et j'ai cassé quoi, Rabotin? J'ai cassé une armoire. Donc normalement, j'aurais dû te payer quoi? Une armoire. Il te dit non. Parce que Ouman connaît Bishvarkeli, on voit que c'est une marloquette. C'est pas évident. Maïta Arma, Ouman connaît Bishvarkeli. D'accord? La Gemara, elle va poser la question justement. La Gemara, elle dit, mais je comprends pas. Dans la Mishnah, on dit le contraire. Tznan, Nathan et Oumanim, Vekil Kelo. T'as donné à Ouman et ils ont abîmé. Chayavim les Chalem. Maïlav, n'est-ce pas que des Yevle et Tzim, il lui a donné du bois? La Gemara dit, la Mishnah, elle parle chez Dat et va au Migdal. Dans la Récha, en vérité, quand on a dit qu'on lui a donné, il a été mécalquel, on lui a donné des kelim et il les a cassés. La Gemara dit, pas dire ça. Parce qu'il a mis des katanes Sefa, mais dans la Sefa, il y a marqué quoi? Clairement, chez Dat et va au Migdal. Miklal, je déduis de là que la Récha, qu'au début, on parlait de quoi? De Etzim. La Gemara dit, non, Amré, Pirouche et Kamefaresh. En vérité, la Sefa, elle explique la Récha. Ketzad, c'est quoi le cas? Comme si qu'on rajoutait des mots. Nathan, Leuman, et Taken, et Kilkelouch, Avim, les Chalem, Kegonch, Nathan, et Cheresh, et Dat, et Vaumignal. En vérité, c'est une explication. Donc, en résumé, pour l'instant, si on t'a donné. La Mishnah ne parle pas qu'on t'a donné du bois. Si on t'a donné du bois, tu as fait une armoire, tu as cassé l'armoire, tu payes que le bois. Si par contre, on t'a donné une armoire et tu l'as cassée, là, tu payes l'armoire. C'est normal. Et la Gemara dit Vachinami, Mistavra, et c'est logique que ce soit comme ça, elle veut ramener une preuve. Que c'est Ketsal Katané, que la CFA vient expliquer comment la Recha elle marche, pourquoi. Déis Al-Kedata, parce que si toi tu penses que Recha et Tzim, que dans la Recha on parle que tu as donné du bois, et qu'il a fait une armoire et qu'il a cassé. Ashtash, Moïna et Tzim, Chavim le Shalem. Si déjà dans le bois, que tu as fait une armoire, t'es Chav le Shalem. Velo Amrina, Nouman Kone Bishvarkeli, Sheda Teva, Migdal, Mibaye. Si, imaginez-vous, si dans la Recha je disais voilà, il t'a donné du bois, tu as fait une armoire et tu l'as cassé. T'es khayab de payer. Alors, à plus forte raison, quand il t'a donné déjà une armoire, que tu l'as cassée, que tu es obligé de la payer. Donc, c'est sûr que dans la Recha, d'accord, on ne parle pas du bois. La Gemara dit non, ça, c'est pas une preuve. Imishuma, lo aere. Si c'est ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Je peux très bien dire Tana Sefa Legalui Recha. La Sefa vient dévoiler la Recha. C'est-à-dire, chez l'autre, Omar Recha, on peut pas dire. Ne vient pas dire que le début de la Mishnah, on parle de chez Ateba Omigdal. Ah, voilà, et si, mais s'il a donné du bois, l'eau. Tana Sefa, Shedateva Omigdal, Miklal de Recha, Itzim, Afilo Achir, Chayav le Shalem, Minachinami. On peut très bien dire des fois que la Sefa, elle vient être mégalée sur la Recha. Ça veut dire que dans la Sefa, on a parlé de Teva Omigdal pour te dire, pour te dévoiler que là-haut, on parlait même du bois. Et même dans le cas du bois, t'es Chayav. Donc c'est pas une preuve, encore une fois. C'est pas une preuve. Mais, encore une fois, la Mishnah,
on veut l'établir que Ouman connaît Beshvar Keli, ça veut dire quand toi, tu as donné du bois, tu as fait une table, c'est la tienne tant qu'il ne t'a pas payé. Et donc si tu la casses, tu payes quoi? Le bois, pas la table. On est d'accord? Faites pas une gueule de bois là. Alors, la Gemara, elle dit, Lema Mesaele, est-ce qu'on va dire que ce qu'il a dit à Vassi, il y a une preuve pour lui? Regardez, c'est quoi la preuve? Anoten Tsemer Latsava. Il a donné de la laine au teinturier. Qu'est-ce qu'il fait le teinturier? Il fait changer de couleur. Et quand la laine, elle a de la couleur, elle vaut plus cher. On est d'accord. Le problème, c'est quoi? Il a mis, la laine, elle a pris, super, mais Igdicho, Yore. Il a enlevé de l'éteinte de feu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La laine, elle a brûlé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui rembourse? La Mishnah, elle dit, Noten Lodmet Tsamcho. Il lui donne juste quoi? La valeur de la laine. Ouais. La Gemara déduit, attends. Dmet Samcho im. Dmet Samcho Veshvacho lo. Ouais. On ne parle pas hein, qu'il donne le prix de la laine et le bénéfice. Parce que maintenant, cette laine, avant qu'elle brûle, elle valait beaucoup plus cher. Vous comprenez? C'était de la laine teintée. La laine teintée, ça n'a rien à voir avec de la laine pure. Ça coûte beaucoup plus cher. Et pourtant, c'est quoi la halakha? Tu donnes que la laine. Donc tu vois que Ouman connaît Beshvar Keli, que le bénéfice il est acquis, il est à l'employé tant que le client n'a pas payé. Lui, la Gemara dit là, n'est-ce pas que chez Igdichou la Kharnefila, que ça a brûlé après que la couleur elle est rentrée, des Kashvacha, il y a un Shvar, et donc Shmamina de l'en apprend, Ouman connaît Beshvar Keli. Voilà. Lui il a donné de la laine brute. Okay, voilà. Mais on aurait pu dire non. Et il a brûlé quoi finalement? Non, il a brûlé. De la laine. Voilà, coloré. Mais il te dit oui. Mais le bénéfice, c'est moi tant que tu ne m'as pas payé. Il va partir à moi. C'est lui qui l'a fait. Sa valeur ajoutée, c'est moi qui l'a fait. Non, brut. Moi, je suis le teinturier. Je l'ai mis dans la couleur. Tout allait bien. Elle a pris la couleur. Super. Et au lieu de la sortir tout de suite, j'ai attendu. Quelqu'un il m'a appelé. Allô, j'ai une question d'Alakha. Quoi? Ouais, j'ai une question. J'ai le Esguer, j'ai le truc. Le truc, il a brûlé. Alors, il y a rien perdu dans le premier. Brut. Voilà, ah oui, mais qu'est-ce que je lui paye? De la laine. Mais normalement, moi, je lui ai fait perdre maintenant de la laine avec un bénéfice. Alors, on te dit, le bénéfice, il n'est pas encore à toi, tant que tu n'as pas payé. Justement. Les maladies, maintenant, regardez, j'ai mis la laine dans la casserole. Et ça y est, maintenant, elle a pris la couleur. Et maintenant, Simon, il vient, il dit, combien je te dois? Il me donne l'argent. Ouais. Et puis après, hop, la laine, elle brûle. Là, je vais lui rembourser la laine avec le bénéfice. Ah, pas pareil. Eh oui, parce que... Tu as le fils et le bénéfice. Le bénéfice. Voilà. Le bénéfice. Bénéfice. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Alors, vous êtes d'accord ou pas? La Gemara, elle dit, à Marchemouel, non, t'as pas de preuve. Pourquoi? Achab, ce qu'il a ici, on peut très bien dire que quoi? Chez Igdichou, Beshat, Nefila, Delikash, Baha. Peut-être en réalité... Il n'y a pas eu encore la couleur qu'il a déjà brûlée. Comprenez? Ça veut dire en réalité, le tsemer, il a brûlé avant qu'il y ait un bénéfice. Donc, tu n'as pas de preuve. Tu peux très bien dire qu'il n'y a pas de preuve ici. Comprenez? C'est un brûleur, ça. Non, que la couleur, elle n'a pas eu lieu avant que. Ça a brûlé avant que. Ça change quoi finalement pour la finalité? Non, ça, donc tu n'as pas de preuve. Il n'y a jamais eu de bénéfice. Ça veut dire. Toi, tu veux prouver que le Ouman, il les connaît, Beshvar Keli. Moi, je peux très bien te dire que la Mishnah ici, c'est pas une aide pour Abbasi. Pourquoi? Je peux très bien dire qu'en réalité, ici, on parle qu'il n'y a pas eu de bénéfice. Ok, non, mais je vais t'expliquer quand il y a une préparation quand même. Il y a une préparation mais tant qu'elle n'a pas appris la couleur. Il a mis, après d'un coup, tu peux jouer sur ça, mais. Il y a une préparation, elle est quand même plus longue que s'il avait... Non, mais des fois, ça peut brûler sans... Il dit ici, des fois, la laine, elle peut brûler, des fois, sans que... Elle n'a pas eu le temps encore de prendre la couleur qu'elle a brûlée. Après, moi, je ne suis pas teinturier. C'est trop fort, peut-être. Voilà, peut-être qu'il a mis un programme trop fort, tu vois, il a mis un programme trop fort, et voilà. Comme la nourriture. Hein. Ouais, bien sûr. Des fois, ça n'a pas cuit que ça a brûlé, déjà. Spécialiste. Exactement. Ah, tu connais, Razak. C'est spécialiste. Sean Bait. Alors, la Gemara dit... Mais la Gemara déduit très bien. Si tu dis ça, Shmuel, ça veut dire quoi? Igdichou lachar nefila mai noten lo dmei tsimcho veshvacho. Les ma Shmuel étaient des Ravasi. Est-ce que ça veut dire que Shmuel il tient pas comme Ravasi? Parce que Shmuel, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Encore une fois, là on parle à la place de Shmuel. Shmuel il a juste dit on peut établir comme ça. La Gemara dit mais ça veut dire qu'il est cholek. Ça veut dire que d'après Shmuel, si vraiment il y a eu la peinture, alors tu dois lui donner même le bénéfice. Et donc tu tiens pas comme Ravasi. Amalecha Shmuel. Shmuel il va te dire non. Achab et Maskinan, ici de quoi on parle, Kegon, des Tsemer, et ça émamine des Balabaït, écoutez bien. Ici, Shmuel, il pourra te dire, encore une fois, on a parlé à la place de Shmuel. Shmuel, il pourra te dire que peut-être ici, on parle d'un cas où la laine et la peinture, elle appartient à qui? Au Balabaït. Et moi, je suis juste l'employé, d'accord? Du Balabaït. Mais le matériel, la matière première n'est pas à moi.
Vetsava agar yadé ou des shakil. Le teinturier, lui, prend juste le salaire de ses mains. Mais on va dire, la marchandise, elle n'est pas à moi. Vous comprenez ? Donc là, à ce moment-là, vadaï, que là, je dois lui rembourser quoi ? Je dois lui rembourser la laine et le bénéfice, parce que la peinture. Parce que si la peinture et la laine ne m'appartiennent pas, si j'ai fait brûler, là, je dois tout rembourser. La Gemara dit, on ne peut pas dire que c'est un cas pareil. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, il fallait dire noten lo dmet simcho be samemanim mibaele. On aurait dû dire, non, tu donnes les samanim. Ça veut dire les ingrédients plus la laine. Or, dans la Gemara, il y a marqué juste quoi ? Dans la Mishnah, Braïta, il y a marqué de Metsamcho. Et la Shmuel dit Chouye ou des Kamatrel. En fait, Shmuel, il n'est pas Cholek. Shmuel, il a juste voulu repousser. D'accord ? Donc, pour l'instant, on n'a pas de preuves pour Ravassi. Mais Ravassi veut dire que Ouman connaît Bejbarkeli. Donc, on veut ramener des preuves, soit pour lui, soit contre lui. Là, la Gemara, elle va ramener une preuve contre Ravassi. La Gemara va ramener une preuve que quoi ? Que Rabotai, le Ouman, il n'est pas connaît Bejbarkeli. C'est quoi la preuve ? Tachma. Anoten talito le ouman. Donc regardez, moi je donne mon talit. Alors quand je dis talit, dans la Gemara, c'est pas forcément. Voilà, c'est un vêtement. C'est pas forcément un talit qu'on parle aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je vais donner le vêtement. Gamro, donc anoten talito le ouman. Donc c'est un artisan. Gamro veut audio. Il a terminé le vêtement. Il dit oh, viens le chercher. Je l'ai terminé. A filou mikan vada sarayamim. Même si il a attendu 10 jours. Et no over mishum lo talin peula tsachir. Lo talin. C'est-à-dire, il y a un issour de la Torah. Bon, Tosfot, il dit ici qu'en réalité, ce n'est pas lo talin, c'est beyomo titen tsrao. Ouais, Tosfot, il est cholek sur. Enfin, il explique que lo talin, c'est la vavka. Ça veut dire, quand un employé il a travaillé chez toi, tu dois le payer. Lo talin peula tsachir. Tu n'as pas le droit de retenir le salaire de ton employé, d'accord, jusqu'au soir. Tu dois lui donner beyomo titen tsrao. Tu dois lui donner le jour même. Pas faire attendre, c'est assour. Des fois, Rabotai, il y avait des fois, le Rizal, il disait des fois, il y avait même des fois des manques de. La pluie, elle ne descendait pas, de la famine, des sécheresses, parce que les gens ne payaient pas la péoula du Sakhir. C'est très grave. Ça, en plus. Ouais. De nos jours, ça a changé, c'est bien. Comme ça. Hein? Ça a changé. Oui, jours, pareil. Hein? Aujourd'hui aussi, on doit payer. Hein? Quand il a travaillé. Non, il y a des salariés. Il y a des salariés. Mais par exemple, quelqu'un, il est venu, il t'a dit, voilà, il veut travailler pour toi. Il te dit, voilà, tu dis, voilà, viens, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu vas me déplacer ça. Tu vas m'aider à déménager. Tu vas le dama. Un jour de cache-route, des fois, tu viens, voilà, fête chômeur, la soirée, voilà. Et le gars, il ne paye pas. Et il attend. Ah ouais, demain, je te paye, demain. Ça, il sourd de raïta. Il a fait, tu payes. Il a fait, tu payes. Tu payes un taxi, par exemple. Babysitting aussi. Babysitting, voilà, babysitting. Elle a fait, tu payes. Tu pas, ah, je vous paierai les trucs. Tu payes. Si, maintenant, avec par exemple la gagne net, tu dis, bon, je paye tous les mois, il n'y a pas de problème. On a fixé, c'est tous les mois. Dès l'instant pas par mois. Où la personne, elle attend. Elle attend, exactement, c'est, on fait issur d'oraita. Donc, il te dit, regardez. Maintenant, il a fait un talit, d'accord ? Fais-moi un vêtement. Il a fait le vêtement. Et il t'a dit, viens le chercher. Toi, ça fait 10 jours que tu n'as pas été le chercher. Et non, vert. Pourquoi il est en vert ? Et j'ai pas pris le vêtement. Tant que j'ai pas pris le vêtement, j'ai pas à payer. Comprenez ? C'est quand j'ai pris le vêtement, pourquoi ? Parce que si tu payes pas, j'ai le vêtement, moi. Comprenez ou pas ? J'ai un otage, j'ai le vêtement. Okay. Ouais. Maintenant, elle dit la Braïta. Nat n'a l'obéchet de Sérium, par contre, si, il lui a donné le vêtement à midi. Kevan chez Chaka Alav Rama, au vert Alav Mishum Baltalin. Ouais, il a été au vert Mishum Baltalin. Vous comprenez ? Donc j'amène un costume chez le tailleur, je mets un costume sur mesure, d'accord ? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotai ? Je vais chez le tailleur et je prends le costume. Et je te paye tout à l'heure. Ça arrive la Shkia, je regarde, ah, c'est bientôt la Shkia, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas payé, je suis ouvert Mishum Baltalin. Pourquoi je suis ouvert Mishum Baltalin, Rabotai ? Pourquoi je suis ouvert sur Biyomo Titan Tsraro ? Si Ouman connaît Bishvar Keli ? Si Ouman connaît Bishvar Keli, Rabotai ? C'est à moi l'objet, Razak, donc c'est une vente. Donc si c'est une vente, il n'y a pas de Beyomo Titen Sraro. Ça s'était déjà arrivé, tu achètes un truc, tu dis je te paye demain. C'est pas Beyomo Titen Sraro ça. Tu vas à l'épicerie n'importe où, tu dis regarde, je te paye demain, j'ai pas de liquide, pas de problème, tu payes demain. J'ai fait Beyomo Titen Sraro ? Non. Si j'ai d'accord. Non, c'est donc si tu dis Ouman connaît Beshbar Keli, c'est une vente. Vous comprenez ? Et donc ça ne devrait pas être assour. Donc là, de là, j'ai une preuve que Ouman connaît Beshbar Keli. Vous comprenez ? L'artisan, il n'a pas acquis la chose. Toi, tu me dis, tant qu'il n'a pas payé, c'est à moi. C'est pas vrai. Alors pourquoi il n'y a pas Beyomo Titen Sraro ? C'est mon objet. Vous comprenez le problème ? Dès l'instant où il le prend dans la main, c'est devenu à lui. Non.
s'il ne m'a pas payé, encore une fois, tant qu'il ne m'a pas payé, l'objet, il est à moi. C'est ça, Oman connaît Bejbar Kelly. D'accord, mais... J'ai fait une valeur ajoutée, l'objet m'appartient. Tant que tu ne m'as pas payé, il est à moi. Non, si tu ne me payes pas, ce n'est pas grave, moi, l'objet, il reste à moi, donc c'est une vente. C'est-à-dire que si le client est venu, il a pris le donneur, il a pris le ouais, même produit. Il a mangé, même, tu vends des cacahuètes. Non, il a pris le produit. Ouais. Que, ouais, il a pris après, le produit, il ne m'a pas payé. Oui, mais c'est une dette. C'est une dette qu'il a envers lui. C'est une dette. Mais c'est une dette de vente. Ce n'est pas une dette d'employé. La Torah, elle interdit la dette de l'employé. Elle n'interdit pas la dette de vente. Tu vas chez Shawarma City. Tu dis, voilà, la maison, elle ne fait pas crédit. Il y a marqué là-bas. La maison fait crédit. La moitié maintenant, le reste tout de suite. Voilà. Maintenant, je prends un Shawarma City. J'écoute, je n'ai pas de carte, je n'ai rien. Demain, je te paye. D'accord. Il y a Beyomo Titen Sraro. Non. Ah, il m'a fait un sandwich et tout. C'est une vente. Demain, je lui rends. Si par contre, il a travaillé pour moi toute la journée et à la fin, je lui dis, voilà. Donc, tu vois bien que quoi? Que Enouman connaît Bejbar Kelly. Parce que sinon, je ne devrais pas être ouvert sur Baltali. Mais est-ce qu'un artisan, c'est pas requalifié enfin, on ne dit pas que c'est une vente, on requalifie comme un employé. Il est indépendant. Alors, la Gemara, elle dit. C'est pas un poil. Vis, Al-Kedatar, Ouman connaît Bejbar Kelly, Amaï ouvert Mishum Baltali. La Gemara dit non, ici on parle de quoi? Amar Avmari Biré de Ravka. Là on va faire une Okimta, c'est-à-dire on va établir la Braïta dans un cas bien précis. On parle ici Begrada de Sarbela. On parle d'un Ouman, en fait, il a juste peigné la laine en fait. On lui a donné en fait un vêtement et il a juste peigné le vêtement. D'accord? Délika Shvacha, il n'y a pas de Shvar. S'il n'y a pas de Shvar, il n'y a pas de Kinyan. Puisqu'on avait dit Ouman connaît Bejbar Kelly. D'accord? La Gemara dit sauf la maille venait il est. La Gemara dit attends, je m'en bats. S'il n'y a pas de bénéfice, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, ouais. Ah, c'est pourquoi il lui donne, Bichlal. C'est pourquoi il lui donne en réalité. Les racouchés, c'est pour la laine, la ronde, en fait. Voilà. Et donc, comme elle est douce, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est plus agréable. Et en plus, elle réchauffe plus. La laine, quand elle est bien peignée, elle devient plus douce et elle réchauffe plus. Alors, la Gemara dit qu'il va des racouchés, puisque de toute façon, maintenant, nous les rendus plus douces. Ah, et nous, Shvacha, il y a un Shvacha. Si tu donnes à quelqu'un et qu'il n'y a pas de bénéfice, pourquoi tu lui donnes? La Gemara dit non, Tzricha. Ici, de quoi on parle? On parle des agrès. Ouais, mais Mistama, quand tu entretiens ta voiture, elle vaut quand même plus cher. Il y a toujours une valeur ajoutée. La Gemara dit l'autre Tzricha, des agrès, les vichés. Les vichés, vous savez ce que c'est les vichés? C'est en fait, il écrase le vêtement. Avant, il avait un vêtement, en fait, on l'écrasait. Donc, il a écrasé. Bicha, bicha, bemata. Donc, chaque coup, il le payait. On l'a rendu souple, c'est ça. Et la Gemara, elle dit, Dainus Rirut. Donc, en réalité, là, c'est un socher. Donc, là, il y a Baltaline. Parce qu'en réalité, chaque coup qu'il fait, pour la rendre plus souple, c'est comme on tanne la peau, il y a les tanneurs. Ouais, avec les peaux. Il y a aussi la laine. Et la laine, comment on tape? Et à chaque fois qu'on tape, on est payé à chaque coup. Donc, du coup, ici. Ici, c'est Mamash, c'est plus un Ouman, ici, c'est un Socher, c'est un employé. La Gemara, elle dit ok, mais le Maïd, c'est ça qu'elle a à Tine. Exactement. Alors, la Gemara, elle dit où les Maïd, c'est ça qu'elle a à Tine, Mikara. Mais qu'est-ce qu'on pensait depuis le début? Dès le Agrelevitch, mais ça, il est les Rav Shechet. Et d'après la Vamina, ça va bien d'après Rav Shechet. Pourquoi? Des Baïmi des Rav Shechet. Rav Shechet, il dit Kablanout, quand quelqu'un, il est Kablan, d'accord? Over Mishum Baltanin. Ou Eno Over. Bah, Malou Rav Shechet, Over. Vous savez ce que c'est un Kablan? Il y a une différence entre un Kablan et un Socher. C'est quoi un Sachrium, un Ouman? Ça veut dire comme ça. Il y a quelqu'un, il travaille à la journée, à l'heure, il y en a quelqu'un, il travaille à la tâche. Un Kablan, il travaille à la tâche. Ça veut dire il fait quand il veut, mais moi, ce que je veux, c'est que le travail soit fait. Et il y a un autre, tu lui dis non, moi, je m'en fous du travail, moi, je te paye à l'heure. C'est forfaitaire. Voilà, forfaitaire. Alors, on lui a demandé, est-ce qu'un Kablan, si tu ne l'as pas payé maintenant, était ouvert sur Baltaline ou pas? Sur sa Rav Shechet, il a dit on est ouvert sur Baltanim. Alors la Gemara dit les mains Rav Shechet pligé de Ravassi. Est-ce que Rav Shechet, il est cholèque sur Ravassi parce qu'en vérité, il pense que Enouman connaît Bejbar Kelly, c'est pour ça qu'il y a Baltanim. Amar Shmuel Baraba, non, Beshlicha de Gerta. Ici, on parle d'un facteur. Un facteur, c'est son travail. Est-ce qu'il y a un bénéfice dans un facteur? Il n'y a pas de bénéfice. Ça veut dire dans l'objet, il n'y a pas de bénéfice. Ouais. Donc ici, il n'y a pas Ouman connaît Bejbar Kelly. Comme il n'y a pas Ouman connaît Bejbar Kelly, alors il y a Beyomo Titen Sraro. Là, il y a Issour d'Oraïta de Baltaline de ne pas payer l'employé. Vous comprenez? Quand on parle d'un facteur, ce facteur-là, si tu ne l'as pas payé, il t'a fait une livraison, il veut être payé, tu ne l'as pas payé, là, il y a Baltaline. Et là, il n'y a pas de Jvar. On ne peut pas dire Ouman connaît Bejbar Kelly. Il n'y a pas de Jvar Begouf Achefetz.
Ok, la Gemara elle dit les maketanaï. Est-ce qu'on va dire que Ouman connaît Bejbar Kelly, c'est le maketanaï? C'est quoi la Braïta elle dit comme ça? Aseli Shiraï. La femme, elle lui donne de l'or. Elle lui dit, donne-moi, fais-moi un collier. Ou des amim, ou alors des boucles d'oreilles, des tabarot, des bagues. Ve kadesh lecha. Donc la femme, elle vient voir le bijoutier. D'ailleurs, quand on a fait ça, il y avait Maurice. Je dis, voilà, une femme va voir Maurice, elle dit, voilà, tiens de l'or, fais-moi des bagues, des colliers et tout. Et moi, je suis mes coups d'échette à toi, je suis marié avec toi. Kevan shahasahan, mes coups d'échette. D'accord? Divri Rabbi Meir. Voilà, Rabbi Meir, surtout Yagan, allez, non. D'accord? Rabbi Meir, il dit, allez, mes coups d'échette. Mais Chachaim Omri, mais non, mes coups d'échette. Allez, pas mes coups d'échette. Hachek, yalo, l'aide, mamon. L'aide. Jusqu'à que l'argent, elle vienne dans sa main. Oui, mais si le tenaille au départ, c'est de dire, voilà, je te donne cet or-là, à condition que... Non, c'est la femme qui donne l'or. C'est la femme qui donne l'or. Oui. Elle dit, je te donne l'or pour que tu me fasses des bagues. Un produit fini. Et si tu fais ces bagues-là, moi, je serai mes coups d'échette à toi. Rabbi Meir, il dit, quand tu donnes les bagues, elle est mes coups d'échette. Rabbi Meir, il dit, non, ça ne marche pas. Il faut lui donner de l'argent. La camarade dit, maï maman, c'est quoi maman? Il a ma automamon, si tu dis cet or-là, ces bijoux-là. Amiklal de Rabbi Meir, automamon, l'eau. C'est-à-dire quoi? Alors, il n'y a rien pour Rabbi Meir, c'est pas possible. Et la bémaï mekacha, d'après Rabbi Meir, avec quoi il va être mes coups d'échette, cette femme? Et la pshita, c'est quoi? Maï maman, maman acher. Ça veut dire, d'après Rabbanan, il faut donner une prouta. S'il ne lui donne pas une prouta à la femme, même s'il lui a fait les bijoux, ça ne sert à rien. Mais en fait, du danse, c'est-à-dire la valeur. Voilà, ça ne marche pas. Ça marche pas. Pour Rabbi Meir, ça marche. Pour Rabbanan, ça marche pas. C'est quoi la marloquette? La lacha, c'est quoi? Alors, attends, on va voir. La lacha. Ah, il y a trois pages pour expliquer en marloquette. Attends, c'est une nana, il lui a fait des bagues. La rande, on va voir tout de suite. C'est un travail, c'est pas de l'argent. On va voir tout de suite. Oui, oui. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est. Alors regardez. Savoie, ils ont pensé. Des coups Alma, au Beta Midrash, ils ont dit comme ça. Rabbi Meir, des coups Alma, c'est Rabbi Meir, Rami, ils pensent. Yeshlan, Srirut, Mitrilal, Vatsov. C'est-à-dire, il y a une marloquette, Rabotan, dans toute chasse. Quand quelqu'un, il travaille pour toi, il est sakhir. Est-ce que chaque heure qui passe, tu lui dois, et à la fin de la journée, tu lui dois tant, ou alors non, en sirut et là les bassof, tu le payes à la fin, mais pas au milieu. Tu veux dire, ma lafkamina, est-ce que c'est un prêt ou pas? Yeshnan sirut mitral bassof, eux ils pensent que non. Il y a la sirut, ça veut dire, je travaille une heure, un euro, deux euros, trois euros, chaque minute qui passe, tac, 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 tac. Donc si maintenant je lui donne mon travail, c'est un prêt. Bah, mekadesh, mais il va y en a mekoudeshet. Quelqu'un qui mekadesh une femme avec un prêt, elle n'est pas mekoudeshet. Mais des coups l'alma, il pense à mekadesh 2020, et n'a mekoudeshet. C'est-à-dire, une femme, elle m'a emprunté 500 euros. Elle m'a emprunté 500 euros. Elle vient pour me les rendre. Et moi, je lui dis, tu sais quoi? Tiens mes coups d'échette avec ces 500 euros-là. D'accord? Elle n'est pas mes coups d'échette. Pourquoi, Rabotai? Parce que quand la femme, je lui prête de l'argent, je lui prête 500 euros. Elle, maintenant, quand elle prend les 500 euros, c'est vrai qu'ils appartiennent les 500 euros maintenant? Quand je lui donne 500 euros à la femme, pas je lui donne. Je lui prête 500 euros. Est-ce que, et je lui dis, voilà, tu me les rends dans un mois. Tiens. Elle prend les 500 euros. À qui ils appartiennent les 500 euros? À elle. Oui. Parce que Milvalo Tsan, Itena, l'argent, elle est faite pour être dépensée. Si elle a pris, c'est pour le dépenser. C'est à elle. Elle me doit un autre argent, mais pas cet argent-là. Voilà. Si maintenant je lui dis avec cet argent, t'es mes coups d'échette, ça marche pas. Pourquoi? C'est son argent. Vous comprenez ou pas? C'est son argent. Donc elle peut pas être mes coups d'échette. Il aurait fallu qu'elle lui rende et qu'il lui redonne. Voilà. C'est pour ça que celui qui donne de l'or à condition de faire des bijoux, il est enfin, d'après Rami. Voilà. Elle n'est pas mes coups d'échette, même d'après Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il pense aussi. Yeshlan Mitzriud Mitzriud Vatsov. Écoutez bien, Rabotai. Yeshlan Mitzriud Mitzriud Vatsov, ça veut dire quand il travaille pour elle, c'est un prêt. À la fin, quand il lui donne le travail, c'est un riouf qu'elle a. Elle lui doit de l'argent. Il ne peut pas être Mekadesh une femme avec un prêt. Et en plus, mais Kadesh Milva n'a mes coups d'échette. Alors, c'est quoi la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir? Et là, la même marloquette. Maïla, Bihouman, Kone, Bejbar Keli, Kamiflagé. Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, Soto Yagen, Alenu, ça va. Ouman, Kone, Bejbar Keli. Ah, Ouman, il est Kone, Bejbar Keli. Ça veut dire quoi? C'est à qui les bijoux, Rabotai, tant qu'elle m'a pas payé? Non, c'est à Bibi. C'est à moi. Ouman, Kone, Bejbar Keli. J'ai amélioré, elle m'a donné de l'or. Moi, je l'en ai fait des bagues. C'est à qui des bagues tant qu'elle ne m'a pas payé? C'est à moi. Quand elle me paye, c'est à qui? C'est à elle. Donc, comme c'est à moi, hein, Rabbi Meir, il dit au mal qu'on est Bejbar Keli, tiens, c'est mes coups d'échette à moi. Vous comprenez ou pas? Attends, ouais. On va prendre le compte de l'heure. Ouais. Tu prends un kilo d'or, le kilo d'or vaut 70 000 euros le kilo. Ouais. Il a donné 70 000 euros de. Il lui a fait des bagues.
Mais ce sont des. Tu as pas fait 70 000 euros, elle. Mais quand, avec les 70 000 euros d'or, moi j'ai fait pour 300 000 euros de bijoux, tu rigoles? 300 000 euros. Mais ça veut dire que le. Avec 70 000, je transforme en 300 000 euros. Mais ça se transforme. Non, non, parce que tant qu'elle m'a pas payé, on a dit. Comme il y a un chevar, il y a un bénéfice maintenant. Regarde, le kilo d'or, regarde. Le kilo d'or, si je le perds, Je dois combien à la femme? 70 000. Okay. Si maintenant j'ai fait des bagues et tout, il y a valeur marchande 300 000 euros. Non. 300 000 euros. Et je perds les bagues, combien je lui donne? 70 000. Okay. Donc les 230 000, ils sont à qui? Ils sont à Bibi. Ah, moi, quand je lui donne 230 000. Tu comprends? Alors, la main d'or, oui, c'est ça justement. Donc ça veut dire, tant qu'elle n'a pas payé. Tant qu'elle n'a pas payé. Il lui doit 70 000. Oui, mais elle me doit 230 000. Mais elle ne me doit pas, c'est à moi en fait. C'est à moi en fait. Je suis d'accord, c'est-à-dire que lui, il est propriétaire de 300 000, mais il lui doit 70 000. C'est pas grave ça. Maintenant, je lui donne 230 000. Vaya. Ouais, mais attends. Tu me prêtes 70 000, je te dis, écoute, c'est quoi? Bon, c'est pas assourd, d'après la race, c'est assourd. Je viens, je te dis, tiens, voilà, cadeau, 230 000. Tu me dis, hey, ça va, tu me devais 70 000, hein. Je te dis, mais quel chutzpan. Je lui donne 230 000 euros. Il me dit, ouais, mais tu me devais 70 000 quand même, hein. Mais baba, t'es pas content? Je t'ai donné 230 000. Tu me devais 70 000 quand même, hein. Ben voilà, ils sont dedans. Oui, oui, genre, tu vois. Mais la femme, elle est super contente, la femme. D'accord, elle est mes coups d'échette ou pas? D'après Abimir, elle est mes coups d'échette. Mais si tu dis que c'est pas lui, Ramadan Sabri, en ou man connaît Mishvar Kelly, du coup, il peut pas être mes Kadesh la femme. Parce que pourquoi? Parce que ça reste à la femme, c'est pas à moi. Ça, c'est si on dit en ou man connaît Mishvar Kelly. Mais si tu dis ou man connaît Mishvar Kelly, elle est mes coups d'échette. Donc, j'ai pas besoin d'une prouta. Alors que d'après Ramadan, c'est pas à moi, c'est à elle. Donc, je suis obligé de lui donner une prouta. Vous voyez jusqu'où ça va en réalité, cette marque loquette là? Ouman connaît Bejvar Kelly ou pas? C'est malien. L'alakha. L'alakha, Ouman connaît Bejvar Kelly. Ah, ça reste pas. Ouais. Donc, elle peut être mes coups d'échette. Mais dans l'alakha, dans Kiddushin, on donne une prota. Il marque bien quand même. La tzette, c'est Mikol, Mide, Safek. Toujours une prota. On en fait tout, d'après l'alakha. Ouais, je lui ai dit, il faut que tu donnes une prota. L'alakha, le travail, ça suffit pour l'alakha. Le coup d'échette, hein. La halakha, oui, mais on est marmir donné comme une prouta. Mais normalement, Aliba des Emet, oui. Mais Karadine. Le mec, il me dit voilà, j'ai des paquets à soulever, à monter au quatrième étage. Moi, je montre, tu veux pas me tâcher. C'est la Gemara en Kiddushin, elle parle de ces cas-là. Amène-moi la TNA et tout. Alors, mais elle doit dire, il doit dire voilà, par le srar que je fais ça, et que je suis mochel. Mais si tu dis rien, ça peut être un prêt. Le problème, c'est que ça peut être un prêt. Parce que, regarde, il n'y a pas de bénéfice. Dans ce que tu dis, toi, il n'y a pas de bénéfice. Qu'il soit là, j'ai mis en haut, alors c'est vrai, elle a gagné la main-d'œuvre. Mais ça, c'est un prêt. Tu comprends? Comme la location, tu la payes toutes les minutes, alors c'est un prêt. Toi, frère Zakoubou.